Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube. Et bien salut tout le monde, c'est HypoGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature pardon, de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une map plate, tout à fait en fer ou un bloc de votre choix. Comme vous l'avez demandé dans les commentaires, ça a été vraiment demandé et pas mal liké sur le commentaire que je vous affiche en ce moment à l'écran. Donc c'est parti, comme il y a les commandes blocs, on va les utiliser pour faire la commande, c'est très très simple. J'appuie juste sur ce bouton. Comme ceci, on attend un peu vu que ça fasse, pour que ça fasse tout simplement le terrain. Et regardez, hop, la commande fil lancée, on attend l'étape et ça va bientôt se remplir. Voilà, donc là, une partie de la map a été remplie totalement en fer, un bloc de fer comme vous voyez, donc ça bug un peu, voilà, c'est bon. Une partie de la map a été remplie avec les blocs de fer comme vous voyez, hop, donc on va pas perdre le commande bloc de vue. Mais hop, on va se mettre juste ici et si on casse comme ceci, voilà, donc on a pas mal de blocs de fer. Avant d'arriver, hop, au fond, au vide, comme ceci, voilà. Et aussi, ce n'est pas une map infinie, donc la commande, ça s'arrête quelque part, je vais vous montrer ça. Regardez, juste ici, on voit qu'il y a de l'herbe, mais vous pouvez pousser la commande un peu plus loin en changeant juste les coordonnées et les chiffres, tout simplement. Donc, c'est très simple. Pour la commande, donc moi j'ai mis juste les blocs de fer. Donc, soit vous prenez un commande bloc, comme je l'ai fait ici, hop, et vous rentrez cette commande-ci, donc fil, ou slash fil, 2000, donc ça c'était la largeur et la longueur, donc 2000, 0, espace 2000, moins 2003 et moins 2000, et vous mettez le nom du bloc que vous voulez, donc là c'est Iron Block, donc on peut faire ça avec pas mal de choses, si vous allez mettre par exemple Gold Block, hop on va changer ici, hop on peut mettre Gold comme ceci, hop, Block, avec... Hop, voilà un underscore. Et vous pouvez changer les 2000 par moins 4000, moins 5000. Ce sera à la distance que vous voulez. Moi, je vais laisser à moins 2000, comme ça, ça lag moins. Hop, donc c'est comme ça que j'ai fait pour le laboratoire, comme vous aurez vu sur, comme vous avez vu sur les vidéos précédentes. Donc voilà, donc la commande a été lancée. Et là, normalement, tous les blocs vont se transformer en or, comme ceci. On attend juste la fin de la commande pour pouvoir bouger, sinon ça va crash. Et donc voilà, on a plus de 386 048 blocs qui ont été placé en or, donc ça c'est parfait. Et là vous avez votre terrain complètement modifié à votre guise, donc ça c'est vraiment super. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos idées de vidéos à faire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir car j'ai pas mal d'idées, mais il m'en faudra encore plus pour faire pas mal de vidéos pendant les vacances etc. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus vers le haut, et moi je vous dis à la prochaine, c'était HypoGamer172, allez bye tout le monde, ciao. We'll be right back.